Hello les amis, c'est Solo, on se retrouve pour un nouvel épisode de Skyblock Hardcore. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, déjà, j'ai presque fini ma salle des coffres. Elle est terminée d'ailleurs, on peut dire. Bon, après, il reste que les murs à faire. C'est un peu long, faut faire cuire, alors on verra plus tard. J'ai perdu des levels parce que j'ai continué d'enchanter un petit peu ma canne à pêche. J'avais récupéré une canne à pêche lure 2, donc j'ai fini d'enchanter. Ça m'a coûté 16 levels quand même. Mais bon, voilà, elle est déjà quand même beaucoup plus rapide. Avec looting 3 et lure 2, enfin chance 3 et lure 2, pardon, ça va quand même nettement plus vite. Bon, même si là ça va se faire exprès. Mais il y a des fois, c'est presque coup sur coup qu'on obtient un petit peu des items. Bah non, là, ça va se faire exprès. Ça va se faire exprès. Bon, et puis en plus, j'ai remarqué quand il pleuvait, ça va encore plus vite. Il y a des fois, c'est pratique. Mais bon, allez, voilà, ça se fait exprès que quand je vais le montrer, c'est pas rapide. Pigmen. Ah oui, tiens, d'ailleurs. Tiens, bon, voilà, ça arrive. Hop, j'aurais voulu montrer que la deuxième fois, des fois, c'était aussi rapide. Non. Bon, enfin, moi, j'ai... Oui, voilà, vous voyez, ça va plus vite, là. Tac. Et du coup, bah, j'ai quand même récupéré des trucs sympas. Power 4, ça en soi, je m'en fiche un peu, parce que j'ai récupéré pas mal d'arcs. Une canne à pêche lors de Mending. Une canne à pêche Unbreaking 3, Power 4, du Mending sur un arc. Ça peut m'intéresser. Par contre, j'ai pas de... Je crois pas avoir de Infinity. Je sais que j'ai un des villageois qui en prend. Ça, Tente de Protection 3, ça serait sympa sur un chest... Enfin, une armure enchantée, etc., etc. Et lui, Fortune 3, bon... Pff, j'ai pas de minerai à collecter, donc par contre Sharp 3, Fire Aspect 2, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc ça pêche un peu mieux quand même, c'est déjà plus intéressant. Ah oui, tiens d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas longtemps que j'y étais dans le... Je suis retourné un petit peu à FK, mais en usine oui, je vais y arriver, à Pigmen. J'ai récupéré pas mal de fer et... D'ailleurs, j'ai vu, si elle y est toujours, ça peut être sympa. Comment on pourrait faire ça? C'est qu'on pourrait l'amener. On va essayer de faire un truc à l'arrache. Comment je pourrais faire ça? Tac. Alors, je peux pas passer le bloc là. Tac. Merde, oui. C'est demi. J'en ai pas bien sûr. Ah si, j'en ai tout juste. On va voir un truc parce que tout à l'heure il y avait une petite poupoule. J'ai eu même des Endermen qui ont spawné. Ouais, la poule y est toujours. Ça pourrait m'intéresser ça, éventuellement. Coucou. Coucou. Viens voir un peu ici. Viens voir là. Bah, elle monte. Elle est con. Bien. Allez. Mais pourquoi elle monte pas là? Bah, viens. Bah, elle est complètement bête. Allez. T'arrives pas à monter là hein? C'est pas compliqué. Allez, viens avec moi. Oh là là. Hop, elle est passée. On va essayer de la faire monter là-haut. Alors ici. J'aurais dû casser, merde. Attends, bouge pas là. On va essayer de la faire monter là, c'est à peu près safe. D'ailleurs, faudrait que je bloque ici. Hop. Bien voir la poupoule. Poupoule. On va bien monter là. Ouais. Elle est pas bête cette poule. Hop, ça du coup.
mon fiche. Merde, c'est ça que je vais récupérer. Comment je vais remonter là après? Bon, je verrai, je ferai un système. Je vais faire une montée par l'extérieur, je pense. Ouah, bon, une poule. Une poule. Ça peut être sympa. Tac, tac, tac. Et là, attention. Voilà. Clac. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va attaquer? Alors, on va attaquer, je pense, un projet assez gros. Que je vais faire en plusieurs étapes, je suppose. Donc, je vais quand même redescendre. Voilà, je me suis fait une petite descente par là, tranquillou. Pour aller à ma salle des coffres. Là, en soi, même, je pourrais fermer ici. Je pourrais fermer ici. Soit là. Bon, enfin, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Donc, tout est trié maintenant, sauf ici où il n'y a rien. Mais je me laisse un petit peu... Il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a rien de connecté. Parce que, voilà, j'ai toutes les récupérations qui se font ici. Et là, non, j'ai rien. J'ai quand même prévu le filtre, mais j'ai rien. Je vais peut-être m'en servir comme fourre-tout, c'est-à-dire j'aurai plus qu'à tout jeter un petit peu là-dedans, et voilà, ça fera tout seul. Ensuite, voilà, là je pense c'est possible qu'en fait je fasse une remontée en escalier de chaque côté, quoique là ça serait bloqué par ma montée là, peut-être pas le top, on va voir, mais en tout cas c'est peut-être ici que l'entrée, c'est à peu près, je crois même que c'est relativement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que là-bas aussi j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Donc en fait j'ai une salle qui est quasiment, enfin qui est même pas parallèle. Ah zut, j'ai bouffé le nom. Ça fait, c'est pas grave. C'est pas. Tac. Et là je pense qu'on va essayer d'attaquer un truc ici. On va s'occuper un petit peu des slimes. Parce que, en fait, j'ai envie d'avoir une arrivée de slime ici. Mais pas les gros, juste les petits. Alors, ce qu'on va faire, on va remonter. On va regarder un petit peu où on en est de notre lave. Comment elle est installée. Et bien sûr, il pleut. À chaque fois que je record, j'ai l'impression qu'il pleut. Ça se fait exprès. Bon, là-dessous, on sera un peu protégé. Donc là, j'en ai une ici. Alors, ce que je vais faire, je vais bloquer temporairement la lave ici. Voilà. Et on va casser un bloc dessous. Voilà. Et on va regarder un petit peu comment ça se comporte. Remarquez, j'aurais pu faire une descente là en... J'aurais pu faire une descente. Ah oui, tiens, on va peut-être faire ça, c'est peut-être pas plus bête. Je vais faire descendre en fait, parce que c'est pas toujours simple d'en bas de voir, et puis même, je vais être obligé d'utiliser cette technique, je suppose, plus souvent. C'est quand même plus sûr que le seau d'eau pour descendre. Alors, on va prendre ça, du coup. Bah, où est-ce qu'il est? Ah, mais merde, c'est vrai que je m'en suis servi pour. Ah zut, je pensais en avoir un d'avance. Non, c'est bizarre. Hein. Je pensais bien en avoir un d'avance. Non. Bon, j'aurais pas ce qu'il faut ici, bien sûr. Piston, je suis fou, je le vois pas. Non, je suis pas fou, je le vois pas. Bah, il va manquer du fer qui est là-bas au fond. Bon, j'en ai pas. Je devrais en amener un peu par là quand même. À chaque fois, je galère pour le faire. Ah oui, j'en avais une autre encore ici, Mending. J'en ai posé une là. Bon. Et là-dedans, il y a quoi? Non. J'avais fait qu'un seul piston. Deux. Ah non, mais je m'en suis servi là, effectivement. Je m'en suis servi là. Bon, bah allez, on redescend. Hop. On va pas arrêter de faire des allers-retours, j'ai l'impression. Sur cet épisode. On va prendre ça, je vais en poser un peu là-bas, ça du coup, on va poser ça ici, qu'est-ce que j'ai là-dedans, des
Oui, j'en ai plus en fait, c'est vrai. J'étais rentré du Nether parce que j'avais plus de flèches. J'ai eu pas mal de quartz hein, la dernière fois. Je suis resté AFK un moment. Et ça m'a bien arrangé quand même. Pour avoir des withers. Les witch, pardon. J'en ai eu vraiment pas mal pendant que je pêchais là-bas et puis même j'étais resté AFK coincé un petit peu entre des blocs et j'ai passé quelques soirées comme ça et finalement bah, j'ai eu pas mal de witch. Allez, attendez, on va vider un peu du stuff là parce que j'ai rien préparé. Tac, tac, le miam miam là, ça on va le mettre là, ça on va le mettre là, ça on va le mettre là, ça débarrasse, ça débarrasse, ça débarrasse. Voilà, je suis bien plein. Du coup, du bois, j'en ai là. On va faire quelques planches. On va faire ça. Merde, j'ai pas pris ce qu'il fallait. Tac. Il faut ça. Je vais juste en prendre une. Allez, voilà. Piston. Je sais jamais, d'ailleurs. Ouais. Allez, piston. On va se prendre un levier si on en a un qui traîne. On a un qui traîne. Et allez. Oh, c'est insupportable cette pluie. En plus, ça me fait des drops de SP, de FPS. Hein, c'est malheureux. Je peux peut-être la pas la montrer. Là. Attendez, Fedor. Il me semble que je suis bien avec Optifine. Vidéo setting. Détail. Tac, tac, tac. C'est dans animation. Splash. Je sais plus en fait. Je sais plus. Ok, moteur. Performance, non. Voilà, il me semble que c'est ça. Ah mais carrément weather off, d'accord. Ah non, je sais pas ce que je voulais quand même. Bon allez, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais là du coup? C'est pas vrai que je vais aller. J'ai tellement l'habitude d'aller là maintenant. J'y reviens tout le temps. Alors, on va se préparer notre descente. On va aller voir un petit peu. Tac. Là, est-ce que je vais pouvoir le placer? Non, on va être obligé de le placer plus haut. Tac. On va placer des blocs là et on va faire un petit système tout bête. Je pense que je vais quand même pouvoir pas mal le descendre. C'est bien pratique quand même. Ah, je suis au bout. Je suis au bout. Voilà, je récupère quand même mon bloc. Mon. Ça. Merde, je vais pas récupérer du coup. Ah, il est parti là-bas en haut. Là. Et je vais remonter un petit peu. Ça. Comme ceci. Donc, là, ne pas tomber. Ne pas tomber. Là, par contre, je peux descendre par là. Alors. Hop, où est-ce que ça tombe? Oh bah on n'est pas loin, vous voyez, on n'est pas loin. On n'est pas loin, on n'est pas loin du tout. Pour l'instant, je vais le faire juste comme ça. On verra après si je fais des changements. Donc là, en fait, on est dans la partie intérieure. Tac, tac. On va grandir un petit peu. Et justement, ça nous permettra de regarder un petit peu où est-ce qu'on se trouve. Pardon. Où est-ce qu'on se trouve par rapport à tout ça. Donc là, la lave va suivre ici. Elle va donc descendre jusque là. Alors ensuite, là, on est vachement près quand même. Là, je ne peux pas la faire déborder ici. Parce qu'en fait, l'idée, voilà. Ça va être tout simple. Sur
Je pense pas ce coin-là, parce que du coup, ça me fait ramener de chaque côté, et là, j'ai l'impression d'être vraiment trop près. Je vais pas pouvoir les réduire tout de suite. Donc, je pense que sur la partie de là-bas, du fond là-bas, je vais ouvrir en fait un couloir d'eau qui va descendre. Donc, il va falloir aussi que je fasse la même technique là-bas de descente, que je fasse un couloir de 3. Et qui va suivre jusque-là. Donc même pas besoin qu'il aille jusqu'au bout, il va aller à peu près jusque-là. Et de là, on doit pas être mal, hein, on doit être à peu près à 3-4 blocs. Et c'est à peu près la distance maximum que peut parcourir la lave. Donc, là, elle va tomber là. Et je voudrais qu'elle tombe aussi. Donc ici. Tac. Paraît pas mal, hein. Comme ça, on pourra la récupérer plus bas. On pourra la récupérer plus bas. Mais j'aurais besoin d'un deuxième. Parce que là, en fait, imaginez que ce soit un grand comme ça. Il va tomber dans notre couloir d'eau. Donc. Il faut qu'il soit réduit une première fois pour devenir médium et la deuxième fois pour devenir petit. Donc en fait, je vais utiliser une autre source d'eau, une autre source de lave que je vais peut-être planter ici. Alors si je fais comme ça et comme ça, là je pense que normalement. Elle va descendre et elle va arriver jusque-là. Là, je vais peut-être me sécuriser comme ceci. Je suis pas trop près là des coffres. Non, je suis quand même pas trop près. Bon, on va tester, on va les remettre en lave là-haut. Et comme ça, on aura un petit peu du début de notre système. Voilà, en fait, je vais la subdiviser de nouveau. Le premier cran, je vais le subdiviser. On va aller voir ce que ça donne. Hop. On va remettre. Donc là, c'est celui-ci. Oula, faut que je tombe là, faut que je fasse gaffe. Allez, hop. On va redescendre là-bas pour voir ce qui se passe. Et là, ça a eu le temps de spawner. Tac. Donc là, voilà, elle arrive. Donc elle va partir dans ce trou une première fois. Ah oui, non, il faut d'abord que j'update. Ah merde. Ça l'a pris. Hein. Ah, c'est pas pratique ça. Les updates, c'est toujours délicat à faire. Donc lui, il l'a bien pris. Et par contre, lui. Et c'est parti. Donc voilà, on doit avoir maintenant. Hop. Deux filets de lave. Peut-être m'écarter un peu. On voit bien. On n'y voit pas grand-chose. Un premier filet de lave qui va couler à peu près à... Bah c'est simple. Où est-ce que je suis là? J'y suis dessus ou... Oui. 1, 2, 3, 4. Je serai à 5. Sais pas si j'aurais pas dû le décaler en fait. Bon, on va voir. Je vais descendre encore plus maintenant, du coup. On va refermer. Ça va être long, hein, parce qu'en plus, il faut travailler tout à l'envers. Il faut travailler de haut en bas pour savoir où va tomber. Parce que
on n'aura pas vraiment le droit à l'erreur. Quand on aura fait tout notre chemin d'eau, qu'on aura ouvert, enfin, qu'on aura tout fait, si je mets de la lave et que ça casse tout, ou que ça se retransforme en cobble, ça sera assez désagréable. Ça sera pénible. Donc, on va refaire un peu le même système. Maintenant, je vais essayer d'examiner plus bas. Où est-ce que ça tombe? Hop, j'avoue que là, le mot de créa serait pratique. Allez, finissez de descendre. Donc il y aura ce petit problème pour l'update, mais bon, on va y arriver. J'ai compris comment il fallait faire. Du coup, je vais peut-être faire pareil. Du coup, je vais peut-être me mettre sur celui-là. On va se mettre par là. Je vais pas y arriver encore. Hop. On va faire le même système. Voilà. Le piston qui va bien. Tac, récupérer mes blocs au passage. Après l'autre, ça sera un peu moins problématique parce qu'on connaîtra sa distance. C'est surtout lui savoir vraiment où il tombe. Allez. Ah, ça y est, j'y suis. Voilà. Donc, où est-ce qu'on est? Ah, mais on serait presque bon. Qu'est-ce que je fais? J'en profite pour descendre par là. Allez, je vais descendre par là. Oui, mais j'ai pas le moyen de remonter. Du coup, comment je vais faire ça? On va aller voir par l'endroit des... Ben non, mais c'est là. Je suis un peu perdu. Alors, est-ce qu'ils peuvent m'aggro? J'aurais dû m'en occuper avant. Tac. Ouais, c'est juste infâme. Allez, on va y... Oula. On va y aller à l'épée, quand même. Sinon, on en a pour une heure. Ah, c'est plus tranquille. Je fasse gaffe aux torches quand je fais ça. Et ça fait pas mal d'XP en plus, ces petits machins. Tac. Alors, là du coup, à combien on est? Ben, j'ai l'impression qu'on sera vraiment pas mal les amis. Parce que, hop, si je casse, on doit être là sur le bord. Tac. Donc en fait, lui, il faut pas en tenir compte, mais... 1, 2, ouais j'ai 3. J'ai 3, 4, 4 avec... Parce que là je l'ai décalé, donc la lave est derrière en fait. Mais on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà. Donc en fait le but, ce sera de faire descendre la lave ici en fait. On va la matérialiser tout de suite. Par ça. Hop, mettre une petite torche là. Petite torche là. Voilà, la lave va être ici. Tac. Donc je vais avoir 4. Il suffit juste que je la fasse descendre d'un bloc avant et ça sera bon. Ça sera bon.
Là, on a notre première descente et la deuxième descente, elle se fera un petit peu décalée. Donc là, elle doit être ici. Elle doit être ici. Donc là, j'ai plus qu'à repartir. Faut que je fasse continuer en fait mon chemin. Tac, tac, tac. Ici, on va admettre qu'il y aura la lave. Tac, tac, tac. Les faire continuer et là, repartir d'ici et là, faire un autre truc comme ça. Ouais, bon, ça va être Mario à faire. Ça va être Mario à faire. Faut que je commence déjà à descendre ici aussi. Faire mes descentes. Faire mon chemin. On va peut-être l'attaquer ensemble. Du coup, on va peut-être faire un truc hein, parce que ça va être juste infâme sinon. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Hop, on va faire ça. Ça. Ah merde, c'est vrai que je suis. Non, en plus je fais ça exprès pour pas m'utiliser ça. Tac. Alors, si je fais un genre de quadrillage là. Comment je vais faire ça? Tac, 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 tac. Voilà, en plus on n'a pas touché aux torches, impeccable. Et là, non, il n'y a jamais 4 blocs consécutifs. Donc normalement, je pense que déjà, on va arranger quelques trucs. Bon, par contre, pour marcher, c'est juste infâme. Mais bon. Alors ici, bah, il va falloir que je commence à descendre. Tac, allez, là on va le faire un peu plus à l'arrache, tant pis. Tac. Faire une petite remontée comme ça. Juste trois blocs à faire de descente. Je sais pas si je prévois trois blocs ou quatre blocs. Hop. Allez, on va en prévoir quatre, quand même mieux. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. Voilà. J'ai eu un peu plus la flemme. Voilà. Donc du coup, je commence à avoir mes deux. Mince, je l'ai pas mis jusqu'en bas. Tac. Ok, elle est plus bas. C'est celui-là qui est plus bas. Tac. Toujours la flip, toujours la flip. Tac. J'ai rien prévu pour remonter, bien sûr. Donc, et eh bah ben allez, on. Bon bah ben là, ça va pas être très très intéressant. Je vais juste faire mes départs. Voilà, bon ben je vais peut-être je sais pas si je continue là sur cet épisode on va attendre qu'il arrive, non, il arrive pas. Pas coco
Ouais, il a été se foutre seul endroit. Mais en plus, il est coincé, d'accord. D'accord. Comment il est venu là? C'est éclairé pourtant. Bizarre. Ah, il ne serait pas tombé de là-haut, non? Je sais pas. Bon, allez, somme toute, je vais, voilà, je vais continuer le mur, moi, hors caméra, sûrement, finir un petit peu ça. Commencer peut-être le niveau, mettre l'eau en place. Et puis, je vais essayer de voir un petit peu comment on peut terminer ce projet. Allez, sur ce, je vais refaire un petit peu de cobble, parce que il m'en reste encore un peu, mais plus énormément. Et là, j'ai tout pris, donc il m'en reste plus. Je vais refaire tout ça, je vais me prévoir un petit peu tout ce qu'il faut, des échelles et tout, tout ce qu'il faut, des... Faudra pour bloquer des barrières, pas des barrières, des... un petit peu tout. Bon, enfin bref, voilà. Allez, c'est le début. Et là, je navigue un peu à l'aveugle parce que j'ai aucune idée encore vraiment comment ça va se terminer cette histoire. Allez, sur ce les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures pour les slime balls. Allez, ciao ciao.